Léonore Bayache est une poète hybride fromage-sirop d'érable, passionnée d'écriture, de poésie slam, de langue des signes et de littérature jeunesse. Originaire de Normandie où elle a effectué son master en création littéraire, elle a voyagé à travers le Canada et vit à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Son rêve est de devenir une hybride Fifi Brin d'Acier, Anne au pignon vert. Veuillez accueillir Léonore Bayache. Tes sens, dans tous les sens, haut, bas, droite, gauche, avant, arrière. Ton corps danse, se sync en syntaxe, au rythme de tes synthés, tes mains. Ta langue, un cadre spatio-temporel accroché autour de toi, un cercle dans lequel tu hula hoop, tu hope et tu hop. Tout un éventail de traits tirés autour de tes lèvres, des dalles de labyrinthe labiaux, les arabesques s'envolent de tes cordes vocales, tiptoe jusqu'au bout de tes doigts. Si tu tires le trait bold, droit vers l'avant, on s'en retourne vers le futur, une impression de vue finie. Touche ton œil et secoue les mains vers le bas, juste une fois. C'est pissour et ça veut dire déjà vu. Tire le trait plus loin. Et tu as touche finie, ce qui veut dire je l'ai déjà fait. Mais si fait ce déjà fait pourrait vouloir dire déjà touché, déjà voyagé, déjà lu, déjà écrit, déjà signé, déjà pensé. Toute une panoplie de verbes qui se basculent avant-arrière sur l'axe paradigmatique. Dicte tes doigts quand tu le dis. Langue des signes. Ferme tes écoutilles et ouvre grand tes bras. Ta parole, elle ne dépend pas de... ta voix, tes oreilles, tes appareils, ton profil Facebook, la couleur de ta peau. Prends tes peaux de couleur, tes doigts sont des pinceaux et peinture se vide devant et derrière toi. Car ta parole a du poids, qu'on ne mesure ni en métrique, ni en mille, ni en grammes, ni en onces, ni en centimètres, ni en pouces. Ta parole ne s'oppose pas à tes pouces, ta parole prend l'espace de ton corps et ton corps prend l'espace qu'il prend. No matter le nombre de mètres cubes. So take it. Capture l'air avec tes mains et relâche tes mots en même temps. Et quand tu auras tout dit, tout touché, tout voyagé, tout lu, tout écrit, tout signé, tout pensé, alors tu diras « touche finie ».